Wesh l'équipe Béoumia, c'est la base les gars, je suis avec Yohan qui est là, qui commande à Uber et Monsieur Faïz est là. Bon les gars, c'est simple, là on fait un vlog parce qu'on est à Paris, parce que Betclic nous a invités pour un five avec des rappeurs, des youtubeurs. Bon, c'est moi un rappeur. Gradio. C'est moi notre rappeur. Un youtubeur. Vas-y un youtubeur. Faïz. Voilà, il y a la Ifi au complet les gars. On est la team youtubeur je crois. Il y aura Arsène, Béfut, Crix, on sait pas encore les équipes. Il y a des anciens pros ou pas? Le rappeur Youssoupha. Ouais, il y a des anciens pros comme Pikion. Ouais, Frédéric Pikion et un autre, j'ai oublié son nom malheureusement. Ah, Idriss Davaz, non? Exactement, ancien pro, ouais, ouais, frère. Et là, les gars, on est venu pour pas rigoler. Hein. On n'est pas venu pour faire du social là. Hein. On est venu pour tout niquer. On met pas 6 heures de route pour rien, nous. Hein. Dis-leur, Faïs, s'il te plaît, dis-leur. Dis-leur. T'as pas moi. Yohan, est-ce que t'es prêt mec? Oh la vôtre les gars. Oh, y'a que moi qui ai envie là, y'a que moi. Bon, c'est où la soirée là? Oh, vas-y. Oh les gars, eux ils attendent, vous savez quoi là, la mala après. Quel mala frère? Mais ils aiment trop les soirées frère. Arrêtez de faire style maintenant, je le dis en vidéo. En ce qu'ils mettent dans ma vidéo, ils font trop les mecs. Ouais, je vais pas vous dire. Et tout. Mais clique, je fais ce tournoi. Ils niquent tout tous les soirs. Je fais ce tournoi que pour gagner des free bets. Ce serait cool pour remettre mon compte à flot là parce que c'est un peu la crise. C'est vrai que moi aussi c'est la crise. J'ai un peu mal parié. À ce qui paraît, il y a plus de 100 000 euros de free bets à gagner. Enfin, c'est la. Non, 10 000 je crois. Ce que ça prétend, c'est les rumeurs. Bon, il y a des anciens pros et tout. Je pense pas on va aller loin, mais bon. Avec les petits frères là, on va essayer de faire quelque chose, tu vois. Bon, les gars. Après, il y a aussi. On a oublié de citer qu'il y a aussi Péfut avec nous, tu l'as dit? Ouais, je l'ai dit. Normalement, après, on verra là-bas de toute façon. Les gars, je vais vous présenter l'hôtel un peu. Ouais, c'est un petit 4 étoiles, Novotel suite. Faïz, tu veux faire la visite guidée, s'il te plaît? Visite guidée, bon, on commence par le meilleur endroit direct. Vas-y. Et je pense que ce sera le premier et dernier endroit de cette vidéo, parce que le reste, il n'y a rien à voir. Petite salle de bain. Oh. Oh, tu vas ramener une meuf là ou pas, Faïz? Personnellement, non. Après, j'ai un ami qui en a parlé. Un ami ou deux. Oh, viens voir, viens voir. Moi, je... Voilà la douche. Voilà, petite douche italienne. En fait, t'as le choix. Non, il y a la grosse pilule, c'est qu'ici, il n'y a pas de clé. Mais franchement, ça met la mort, on dirait un placard, regardez. Voilà, moi, je connais quelqu'un qui a une douche dans un couloir. Dans un escalier, moi, je sais. Voilà, la lit, là. Voilà, tout simple. Nous, les gars, on est simple, nous. Ici, c'est un bon endroit, c'est là où tu peux faire le café. Mais je tiens à préciser qu'il y a que des putes ici. Les mecs de café. Qui a bu des cafés ici? J'ai proposé. Caméraman, Faïz. Moi, par voilà, je me réveille, pas de café. Par contre, j'ai un truc à dire, Yohan, je peux te serrer la main parce que t'as fait un truc que, les gars, Yohan, je le connais depuis exactement, depuis qu'il est né, quoi. On était dans le même hôpital. Dans le même berceau. Exactement. Non, je rigole. Du coup, les gars, franchement, je te félicite, gros, parce que t'as fait un truc pour la première fois depuis 25 ans que je te connais. T'as chié en dehors de chez toi. Vas-y. Oh, c'est la première fois, il a chié. Non, il a jamais fait, frère. Arrête, frère, à Dubaï, tu crois que j'ai eu sur le niveau de fête. Mais il a raison, j'ai eu des matchs. Les gars, voilà, il a une phobie. C'est de. Il arrive pas à chier dans les autres toilettes que va par chez lui. Ça arrive à beaucoup de gens, faut se réserver. Ouais, c'est vrai ça. Voilà le deuxième endroit. Bon, il y a deux lits et un lit double. Celui qui met le plus de buts, il choisit ce lit-là. Ok, les gars. Et je pense que ça va être moi. Ça, c'est un bon concept. Oui. Bon, l'équipe, on est dans les vestiaires là. Avec l'équipe cheap. Avec Chris, il est là. Ouais, laisse-moi, je suis totalement avec l'équipe cheap. Là ça rigole trop pour un tournoi sérieux moi je trouve. Non frère, on rigole pas les gars, on est venu pour gagner là. Okay. Non mais explique les où on est déjà même parce que. Bah je l'aurais déjà expliqué en fait, il y a déjà l'intro, t'inquiète, tout est carré mon frère. Toi t'es professionnel maintenant le dernier. Menteur de ouf. Et on est chez Betclic quoi. Frère Chris, la cour il est là, regarde. Bon frère j'espère c'est vrai, ils vont servir à quelque chose, je vais mettre des coups d'épaule pro frère. Je suis un gardien moi. Non, je rigole, je suis un gardien. Ok, je suis ensemble, mais t'es chaud ou pas? Moi je suis chaud, moi j'attends que toi là. Vas-y frère. Déplacements, c'est Chris. Qui est le capitaine, les gars? C'est Chris. Bah, c'est toi, vas-y, c'est bon. Ouais. Tu fais le mec depuis tout à l'heure, c'est toi. Celui qui a le plus d'abonnés. Yohan. Le capitaine. C'est mort dans le film. Moi, je vais faire des pauses. On est 6 d'ailleurs dans l'équipe, il y a un remplaçant. C'est Faïs le remplaçant. Moi, je sors pas. Moi, je sors pas. C'est maintenant qu'on m'annonce que je suis remplaçant. Depuis tout à l'heure, je m'échauffe et tout. Je sais pas s'il y a des gens qui veulent sortir plus. Non, mais tranquille, ça va sortir. Ouais, les gars, vous avez fait quoi? 40 km, 30 km? Nous, on a fait 600 km, frère. Faut qu'on fasse quelque chose, les gars. Ouais, sérieux. Tu racontes? Ah, c'est vrai que toi, t'habites pas à Paris, toi, frère. On habite à Paris, 40 km. Là, on est parti du Havre. On a fait. Non, les monte jusqu'à là, frère. Je suis tu rigoles trop,
pour un remplaçant. Tu n'avais pas remplaçant, frère, Titu. C'est moi le capitaine. Bon, les gars, c'est parti. Let's go. Bon, l'équipe, n'oubliez pas le code de Betclic IFI. Hein, pour vous abonner et vous parier notamment sur l'équipe YouTube. La victoire finale. Chris, c'est là, tu gênes, viens, viens. Ah, merde. Ah, ouais. La victoire finale de l'équipe YouTube à 8. 8 quand même. Attends, mais là, il y a la plus grosse cote. Ouais, l'une des plus grosses cotes. Non, il y a 20, il y a 20, il y a un petit royaliste. Bon, interview avec Péfut, ça va Péfut, bien? Ça va, et toi tranquille les gars? Bon, on va te parler de Galatasaray Paris, vu qu'on va vous rooster, t'en penses quoi? Ah, je pense que... Le problème c'est qu'on peut pas dire du mal des fans de Galatasaray, t'as regardé? Ah, tu sais! Moi je pense que Galatasaray va taper le PSG, hein, en moyen! Non, je pense qu'à Paris vous allez gagner, mais à Galatasaray ça va être chaud, hein! En fait, ça va être chaud, ça dépend des 15-20 premières minutes. Si Paris ils arrivent pas à marquer le but direct, tu vois ce que je veux dire? S'ils marquent direct, même ambiance par ambiance, c'est... Tu vois. Falcao va marquer contre vous ou pas, tu penses? Il y a moyen sur les deux rencontres au moins un but. Et Neymar, tire bien les pénaux, non? Hein? Tire les pénaux. Franchement, logiquement, ouais, je pense. Ouais. Franchement, il y a moyen d'en mettre un au moins. Tu sais, il va essayer de... Il se dit c'est Paris, il va essayer de marquer. Bah oui, et Neymar, t'en penses quoi? Ah, il va se faire enculer ou? Je pense qu'on est des salopes et qu'on va le laisser se réintégrer tranquille. Et après, tu vas redire. J'ai entendu dire qu'il va même pas s'excuser, il va rentrer calmement. Et le PSG, la direction du PSG, ils ont dit ouais, les supporters, faut pas l'insulter ou le siffler. Donc. Du coup, le PSG, comme d'hab, vont ressucer le joueur. Oui, avec plaisir. Un petit doublé contre Guingamp devrait suffire. Ah, ouais, grave. Petit pronostic, C'est le seul match qu'on peut potentiellement gagner. Allez, ça transite sur El Gato. Le chat. Oh, ça c'est très mauvais ça. Très très mauvais. Oh là 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 là. Oh. Allez, le frère PNL. Le frère PNL. PNL casquette qui l'emporte. Bravo, qui marque son point. Allez, PNL casquette. Allez, c'est parti. El Gato. Oh là là, c'est risqué ça. Oh oui. Un beau contre. Oh. Petite orientation du ballon qui arrive devant toute l'équipe. Oh oui! Allez, ça continue. Allez, on va y arriver. Non, pour Héraclès. Pour Héraclès, pardon. Les 100
un partout. Ouais, et Royal qui vient d'égaliser, c'est là qu'il faut regarder. Désolé la team Youssoupha, mais de l'autre côté là, ça, ça joue sérieusement. Petit miracle, garde le ballon. Oh là 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 là, ça fait du ça va très vite ici, dehors pour la team miracle. Belle passe décisive. Les gars, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Franchement, nous on s'est régalé. Désolé, hein, j'ai mis des passages, on va les chier un peu. On n'était pas très fort, mais en tout cas, on a fait un méchant five. On est arrivé en quart de finale, je crois, contre on a perdu contre les champions, tout simplement. Contre Manu FC, je crois, il y avait des anciens pros, tout ça. On a fait 4-3, sachant qu'en finale, ils se sont mangés 8-1, frère. Et en plus, j'ai un truc à vous dire, c'est qu'ils ont mené 3 fois au score et on s'est mangé 2 pénaltys, puisque. Ils ont fait des règles un peu bizarres dans ce soccer là, j'ai pas trop compris, mais bon, voilà. Et les gars, je suis fier de mon équipe, franchement on a fait un méchant five, on s'est régalé, on s'est bien amusé et tout, on va refaire ça je pense très rapidement, entre nous, on filmera des five comme ça. On a fait des méchantes actions et tout, mais j'ai pas pu les mettre, voilà, je suis vraiment désolé, mais voilà. On vaut pas chier, simplement que c'était pas les bonnes prises. On se justifie comme mec. Bon les gars, c'était la base, prenez soin de vous, ciao ciao.